Nous avons choisi la cafetière traditionnelle orientale donc pour illustrer le thème des coexistences en Méditerranée. Et c'est un objet qui m'est très familier depuis mon enfance à Istanbul. Alors pour ma part, je n'ai jamais travaillé sur cet objet, mais je l'ai beaucoup croisé pendant mes séjours au Proche-Orient, pendant plusieurs années où je l'ai aussi utilisé. Alors c'est un objet qui est d'abord caractéristique par sa forme, c'est qu'elle a toujours le fond plus large que le col. Mais comme vous pouvez le voir sur cette table, on a aussi d'importantes différences et qui sont vraisemblablement à l'origine des différents mots que l'on utilise pour le désigner au sein de l'ancien Empire ottoman. Ainsi, on a des Djevzé en Turquie, des Rakoué en Syrie, des Kanaka en Égypte ou des Djezwa en Algérie. Et c'est un objet omniprésent dans toutes les anciennes provinces de l'Empire ottoman qui sont aujourd'hui des États-nations depuis déjà deux siècles. Et chaque pays va le revendiquer, même si c'est la même boisson qui est faite avec ces objets, comme étant le sien. On va parler du café turc, grec, syrien, libanais, et ainsi de suite. Et c'est une décoction très basique avec de l'eau, du café moulu et optionnellement du sucre. En tant qu'historien de l'Empire ottoman, c'est un objet que j'ai croisé, dont j'ai essayé de faire la généalogie aussi, notamment pour arriver à l'Ibrique. Alors justement, en termes de généalogie, les mots que j'ai donnés et les objets qui sont là sont assez récents. Ils semblent apparaître au début du 19e siècle. Auparavant, on utilise un objet plus générique, à la fois par sa forme et par sa fonction, puisque c'est une aiguière en français, et on dit aussi bien en ottoman qu'en arabe, on utilise le mot ibrique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot ibrique a donné en français le mot brique ou le mot bricou, que l'on retrouve dans les inventaires après décès marseillais au milieu du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, les premiers cafés à Istanbul, dans la capitale impériale, ont été ouverts par deux Syriens au XVIe siècle. Et les cafés sont devenus assez vite un des endroits par excellence de la mixité sociale, et notamment pour être des lieux potentiels de contestation, donc avec des séditions politiques éventuelles. Et ce qui a attisé aussi l'inquiétude des autorités qui ont essayé à maintes reprises, notamment au début du XVIIe siècle, d'interdire et de fermer ces établissements. Et donc jugé trop dangereux, notamment aux yeux des conservateurs, à la fois politiques et religieux, et parce que la boisson café, qui est quelque chose d'excitante, a été aussi vue comme un produit dangereux à cause de son caractère inédit, et traité comme une drogue dure, donc un peu qui portait atteinte aux facultés intellectuelles et de jugement. Alors le café, c'est, comme tu viens de le dire, c'est aussi donc un lieu de regroupement et c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui au Liban, un professeur d'université peut très bien être au café, tel café, de telle heure et tout le monde le sait et il y reçoit, sur rendez-vous ou pas, à la fois ses collègues et ses étudiants. Mais le café est aussi un lieu pour les ouvriers plutôt désœuvrés, des journaliers, en attente d'être recrutés. Ça, c'est le cas à Alexandrie ou au Caire, par exemple. Et cet usage a traversé récemment la Méditerranée à travers un certain nombre de migrations. Et à Marseille, par exemple, dans le quartier de la Rotonde, les Chai Salonu, ce qui littéralement signifie salons de thé, mais qui sont aussi des lieux où on sert du café, servent de lieu d'embauche à des ouvriers journaliers du bâtiment qui attendent au café les entrepreneurs. Et donc on va boire également cette boisson à la fin d'une journée intense de travail aussi, parce que c'est une boisson préconisée contre la fatigue. Et comme lieu intense d'échange, les cafés sont un endroit où, par exemple, les milieux populaires ont accès à la culture littéraire écrite qui va être vulgarisée par des raconteurs d'histoires, par exemple. Mais pour aborder l'aspect matériel de l'objet, bon, on peut songer déjà à des pans entiers de l'histoire du travail, donc allant de l'extraction minière jusqu'à la fabrication artisanale, donc la finition dans l'atelier de l'objet en tant que tel, sous cette forme. Et bien sûr, donc, quand on prend une cafetière qui sert bien sûr à préparer le café, l'objet a aussi une mémoire en soi, parce qu'on va considérer qu'une cafetière traditionnelle prend du caractère au fur et à mesure qu'on y fait du café. Et donc on va toujours se contenter de juste le rincer à l'eau.
Et pour ne pas altérer le goût des futurs cafés, donc, qui ont une place particulière dans la vie quotidienne, mais aussi dans les événements marquants de la vie d'une famille, d'une maisonnée, comme des mariages, comme des naissances, toutes sortes de rassemblements importants autour des obsèques aussi. Voilà, oui, rassemblement important, c'est effectivement très important. C'est-à-dire que le café, ce n'est pas seulement une boisson, ce n'est pas seulement un lieu, c'est aussi une véritable cérémonie. C'est-à-dire que servir le café, c'est jamais complètement banal. Non seulement parce que l'objet conserve la mémoire, en quelque sorte, du moment, mais aussi parce que ce moment du café est un moment qui peut précéder une négociation, et c'est vrai en particulier dans l'Empire ottoman, où les commerçants européens qui résident dans l'Empire, hein, dont la plupart sont provençaux, possèdent tous, au XVIIIe siècle, un nécessaire pour préparer le café et pour le servir. Et pendant le temps du café, on a une espèce de temps suspendu, qui est un temps qui précède la négociation, mais qui est un temps d'interconnaissance, d'échange, souvent assez ritualisé, et qui n'est pas sans rapport avec la question des coexistences.